Je peux entrer? Vas-y, oui. Ok. Tu regardes juste le dossier, hein. Il descend pas trop, sinon la conversation. Fais ce que tu veux. Ok. Pourquoi? Attends, quand on contrôlait mon téléphone, je disais rien. Salut, ça va? Ok. T'as confiance en moi, non, mais... J'ai confiance à toi, mais tu laisses tranquille. D'accord, qui l'entraîne? Tu fais ce qu'il veut. Qui l'entraîne? Hein? J'ai envie encore de le faire aujourd'hui. On le fera demain. Non, aujourd'hui. C'est lui qui t'a dit que non, il a envie encore de le faire aujourd'hui. Tu as dit demain, il a dit non aujourd'hui. Je ne sais pas, c'était quoi? On a quelques devoirs à faire, je sais pas. Ok. S'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. C'est ça? Moi, j'ai pas touché à ton téléphone. Vous voyez quand même, il triche. Hein? Moi, j'ai pas touché à son téléphone. Non, c'est bon. On vérifie, t'inquiète pas. Tu peux m'expliquer? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non. Non, je parle à ma copine. Je sais. Non, là, je parle à ma copine. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Il m'a parlé. Tu me dis qu'est-ce que je vois? Il m'a parlé de l'agence du mannequin. De l'agence? Oui, il devait maintenant voir mes photos pour. Tes photos? Pour savoir comment. L'agence de mannequin? Oui. Pour savoir comment je suis, la taille. C'est depuis quand? Attends, dis-moi, c'est depuis quand tout ça? C'est depuis quand? Mais j'étais pas en parler parce que tu allais refuser. J'allais refuser. T'as envoyé tes photos à moitié ni à une personne que moi je connais pas et Mais tu as bien dit à moitié. C'est pas toute ni là. Mais je fais ça parce que tu n'avais pas d'argent. Au lieu de dépenser, on a économisé. Il m'a aidé, voilà. Parce que j'avais pas l'argent. Et donc aussi. Donc tu m'as trompé parce que moi j'avais pas l'argent. C'est ce que toi tu me dis. On a revu sur ça. Classic Texas Boutique. Classic Texas Boutique. Oui. Oh. A produit ni sur la carte. Elle va produire un maquillage. Ah, tu commences à barrer. Elle va partir à Facebook. Il n'a pas de code pour commander. À Facebook, il n'a pas de Classic Texas Boutique. Au monde. Oui. Commande. Au monde. Vous allez voir. Oui. Faut des soins. Faut des teints. Faut des teints. Et bâtir dans ma robe. Banuta pas banabasi dans ma vergeture, ma tempo, moi-même soit la loi pémé, ma casse à ma boucle, mon nez, ils ont révisé ma noire, ma mouine de ma genou, rien, ma mère, beaucoup moins de difficultés, là, t'as moins de kilotes parce que ma mère, c'est 4-4 jours, et ça va nous tous être au bout de ma. Salut à tous, salut la team Yafifi, salut la team Ulrich, c'est votre Ulrich en tout cas. Merci pour vos appels, en tout cas vous m'avez tellement manqué et je suis là. Merci pour vos appels. Aujourd'hui je suis seul, donc je présente l'émission seul, je suis accompagné avec Moses. Aujourd'hui on va marcher, on va fouiller les couples. Today ça sera chaud car je suis seul. On va marcher, fouiller le couple, en tout cas maximum de partage. Partagez cette vidéo en tout cas de partout dont vous êtes. Cameroun, Côte d'Ivoire, Boaké, partout dont vous êtes en tout cas, partagez cette émission. En tout cas, on va marcher, on va fouiller, on va vraiment fouiller le couple aujourd'hui et c'est moi qui suis le couple aujourd'hui. Voilà, donc on marche. Je ne sais pas, Mondes, si on va faire comment, on fait ça ou ça. Je suis accompagné avec Mondes, on fait ça? Voilà, donc on fait ça. Voilà, voilà, donc comprenez, hein? Comprenez, on est là depuis qu'on attendait un couple. Mondes. Je ne sais pas, depuis qu'on attendait vraiment. Ah, cha. Donc, vous comprenez, c'est ma toute première fois. Donc, il m'a laissé la charge. Donc, il n'est pas là. Donc, voilà, comprenez. Apparemment, ils sont là. Ils sont là, je... Moses, cache-toi. Cache-toi un peu. Cache-toi. Là, ils sont là. Je... Voilà, donc... J'essaie un peu de faire semblant. Voilà donc. Moi je ne sais pas, je m'approche ou comment? J'attends. Ah. En tout cas, je vous dis aujourd'hui, ça sera tellement chaud, ça sera chaud. Ah. Voilà. Bah, c'est ma toute première fois, donc. Ça va très bien se passer en tout cas, ça va très bien se passer. Moi, est-ce que je m'approche ou comment? Je m'approche, hein? Ah!
Moses, moi je peur, hein. Et là, là. Voilà, ils sont là, ils sont là. Moses, cache-toi, cache-toi. Bonjour. Moi c'est Ulrich. Nice qui est du Kef. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en couple? Ou bien... Pourquoi? Non, parce que je vous ai vu vous deux, j'allais savoir si vous êtes en couple. Les gens vous connaissent pas. Et puis... Bon, moi je me présente, c'est Ulrich, je suis journaliste. Oui. J'aimerais un peu parler avec vous, juste un peu, un tout petit peu. Mais en condition que vous êtes en couple. On est en couple. Vous êtes en couple. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut se parler un peu? Moi, ça dérange pas. Bon, on peut faire ça vu qu'il fait tellement chaud. Voilà. Déjà, j'ai quelques. J'allais un peu vous interviewer, juste un peu. Je peux? Ça dérange pas, ça dérange pas. Oui. J'aimerais un peu savoir, ces questions, ça vient chez Moses. Il y a Moses qui m'a dit de vous poser cette question. On aimerait un peu savoir, qu'est-ce qui pousse l'infidélité dans le couple? L'infidélité? Oui, dans le couple. Dans le couple. En fait, manque de la dialogue. Hein? Manque de la dialogue. Ouais. Parce que si... C'est un peu ça, pour moi c'est manque de la dialogue. C'est manque de la dialogue. C'est manque de la dialogue parce que si elle remarque quelque chose et elle ne me le dit pas, je ne peux pas savoir. Okay. Voilà. Déjà, ça peut la pousser à faire des bêtises. Okay. Et de ton côté, c'est toujours le cas? C'est toujours la manque de la dialogue? Non, c'est pas le cas. C'est quoi? Bon, d'après moi, je dirais que... Bon. Parfois... Tu passes comme ça? Tu passes comme ça? S'il vous plaît, je vous sépare pas. Oui, ça doit être... Voilà. Pour moi, je dirais parfois, si l'homme ne prend pas bien soin de sa meuf, je ne sais pas trop, c'est un peu ça. Ok, donc la cause de l'infidélité, c'est quand l'homme, chez la femme, c'est quand l'homme ne prend pas soin de sa meuf. Ben oui. Et c'est ça qui pousse à la meuf de... Bon, je vais bien dire d'après moi. D'après, d'après toi. Moi, ouais. C'est voilà. Ok. Est-ce que j'ai une question? Vas-y, sans te poser. Est-ce que ta copine est fidèle? Qui? Ta copine. Ma copine? Oui. Elle est fidèle. Elle est fidèle. Est-ce que ton homme est fidèle? Ben oui. Ok. En fait, le but de notre mission, c'est ça. On teste le couple. On veut savoir si l'un de l'autre est fidèle. Comme vous avez dit qu'il y a la fidélité entre vous, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que vous pouvez aussi nous prouver que vous êtes fidèle? En faisant quoi? À vous tester. On veut vous tester. Vous allez faire quoi? Vous allez tester quoi? Voilà. Ça se passe comme ça. Déjà, il y a la caméra qui est là. Je ne vous avais pas signalé. Il y a la caméra qui est là. Ben, oui. Vous au moins en parler avant, parce que là... Non, comme je vous ai dit, c'est pas si grave, mais il peut aussi se déplacer si c'est pas qu'ils arrêtent d'abord. C'est pas si grave en fait. On aimerait juste savoir, vous parlez juste tout petit peu. Bon, déjà, on est en retard, on se déplace. Mm-hmm. Je sais pas. Non, juste pour quelques minutes. Juste pour quelques minutes. Bon, vous avez dit quelques minutes. Quelques minutes, oui. D'accord, ça dérange pas. Tu es d'accord, non? Bon, si tu es d'accord, je suis d'accord. D'accord, c'est bon. J'aimerais savoir, vous avez fait combien de temps ensemble? 3 ans. Ouais. Ok. Dans les 3 ans, c'est déjà officiel, on vous connaît dans la famille ou bien c'est copain-copine? Non, on se prépare. On se prépare. Voilà. Ok, donc vous êtes à la préparative. Voilà. Ok, voilà. Est-ce que tu as l'habitude de contrôler son téléphone? Vous avez l'habitude de contrôler vos téléphones? Bon, moi je lui fais confiance, tu lui fais confiance. Ok. On s'est parlé normalement. Et... Ben je sais pas. On fuit les téléphones quand on sent qu'il y a. Il y a pas... Ça ne va pas, ouais. Ok. Il n'y a pas une bonne relation. Mais sinon, toi, tu ne fais pas. Non, je ne fais pas. En fait, je lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Et de ton côté? Pareil. Ok, donc... J'ai énormément confiance à ma future épouse, voilà. Donc, votre relation est basée sur la confiance. Voilà. La confiance, la communication. Ok. Ok. Bon. Maintenant, nous, on veut aussi confirmer vraiment votre fidélité. On veut vous tester. Je sais que vous avez posé tant de questions. Ça se passe comment? On va prendre vos téléphones. Entre sur vous avez les Android, vous utilisez l'Android, vous avez les réseaux sociaux et tout. Ouais. Ok. Nous, on va prendre vos téléphones et contrôler. Voir s'il n'y a pas de... Même sur WhatsApp et tout, voilà. Sérieux? Ouais. Mais là, ça devient bizarre. C'est une vie privée, en fait. Ouais. Non, là, je n'en conviens pas. Mais vous avez dit qu'il y a la fidélité, non? Oui, il y a la fidélité entre vous. Maintenant, nous, on veut aussi confirmer votre fidélité. C'est ça, notre but. En fait, c'est ça, le but de l'émission.
j'ai pas de problème. Ça dépend d'elle, en fait. Ok. Je sais pas trop, mais je suis d'accord. D'accord. Voilà. Moses, je ne sais pas. Ils sont d'accord. Je peux, hein? Voilà. Donc, je travaille en collaboration avec Moses. Voilà. Salut, Moses. Voilà. Est-ce que je peux avoir vos téléphones? Ok. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Moses, j'ai tous les deux téléphones, hein? Voilà. Et je commence par qui? C'est moi l'homme, voilà. Voilà, donc je commence par toi. Voilà. Ok. Les mots de passe? Ah, t'as encore changé de code. Ah, je te rappelle, c'est mon portable. Donc, tu peux changer le mot de passe? C'est ta femme là, t'as fait tirer épouse. Donc, c'est ta copine qui met de mots de passe chez toi? Ouais. Waouh! C'est chaud, hein? Des fois, je n'arrive même pas à contrôler mon téléphone parce qu'elle elle a changé de mot de passe. Ok. Ah, ok. D'accord. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà, nous, on a nos mots-clés. Okay. On a nos mots-clés. Déjà, pour commencer, tu as enregistré quel nom dans son numéro? Tu as écrit quoi? Code privé. Code privé. Waouh. Là, on va vérifier. Je vais m'y arrêter, hein. Code privé. Quoi? Ça, c'est mon B. Voilà, code privé. Ok, là c'est bon. Et on a nos mots-clés. On commence par bébé. Est-ce que ça te dérange quand... Je suis, on ne traîne pas. On vous suit, c'est bon. Ouais, merci. On parte déjà. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que ça te dérange quand ton gars appelle d'autres filles de bébé? Ça te dérange ou bien... Bon, personnellement, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop parce que j'ai confiance en mon gars. Et le fait d'appeler ça bébé. Dérange pas trop. Bon, ça me dérange pas trop. Ah, okay. Madame la jalouse. Bon, ça me dérange un tout petit peu. D'accord. Là, je commence par bébé alors. Je suis sur WhatsApp. Bébé. Voilà. Ici, je vois, il a écrit à 3 personnes bébé. Divine, c'est qui? Divine, c'est une amie. Une amie? Une amie. Tu connais Divine? Tu la connais? Je sais pas. C'est Divine qui? On a écrit Divine qui? Kiaku. Bah, je connais Kiaku, oui. Tu connais? Ouais. Ok. Que j'entre ou bien je passe? Bah, tu entres. Je lis la conversation? Ok. Je suis là avec Divine. Salut, ça va? Ouais, très bien. Voilà, tout va bien. Voilà. On se voit le soir. C'est Divine qui t'a dit qu'on se voit le soir. Ouais, on devait se voir le soir. Tu on vas avait... le voir pourquoi? On avait rendez-vous avec Divine et Kedikev. Donc Divine devait passer à la maison pour me récupérer. Ok. Voilà. Et tu étais au courant de ça? Ben oui. Ok. D'accord, on passe. Là, on passe. Et voilà. On va monter. Apparemment, à Divine, il n'y a pas grand chose. Là, je viens, bébé. Noëlla, c'est qui? Noëlla Pagna. Ouais, Noëlla Pagna. C'est une cousine. Tu connais Noëlla, non? Ouais, je la connais, oui. Ok, inutile d'entrer? Non, on passe. On passe. Tu pars sur Facebook. Sur Facebook? Oui. Ok. Attends, on n'a pas fini, c'est notre truc, c'est Facebook. Tu es en train de fouiller, non? Ok, c'est okay. Ça ne mange pas, d'accord. C'est une occasion pour moi au moins de voir, parce que je ne touche pas ton téléphone. D'accord, en tout cas, moi je suis là, donc le but de notre émission, c'est ça. On va vraiment voir s'il y a vraiment la fidélité entre vous, Facebook. Voilà. 12 messages sur Facebook. Il fait tellement chaud. Dorcas Kanieba. Je la connais pas. Ok. J'ai pu entrer. Ça te dérange pas? Tu la connais pas, comment ils se retrouvent là? Mais ce sont des amis sur Facebook. On est amis sur Facebook. Ah, vous n'avez jamais parlé, hein? Je ne sais pas, je la connais pas. Je me rappelle pas. D'accord, là j'entre alors. Dorcas, on va voir. Voilà, salut, ça va? Ah là, tu n'as pas confiance en moi, c'est non, ça? Bah, apparemment, il n'y a pas trop de messages, hein? C'est fini. Je suis concentré là. Il n'y a pas trop de messages.
Attends. Christelle Lomboto. Christelle Lomboto. Ah, ok. C'est une maquilleuse. Une maquilleuse? Ouais. Ok. Bon, je peux entrer? Ouais, ça dérange pas. Salut, ça va? Bah. Si tu vas bien, ouais, on se voit. Bah, Moses, apparemment, je ne sais pas, hein, sur Facebook, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà vérifié sur WhatsApp, il n'y a pas grand-chose, et sur Facebook également. Ok. Bon, sinon, je rentre encore sur WhatsApp pour une dernière fois, et puis, okay. Sur Facebook, j'essaye mon cœur. Mon cœur, ouais. Ok. Bon, Mendez, apparemment, je laisse le gars. Ok. On peut entrer. C'est bon? Il n'y a pas de problème là-bas. D'accord. Tu fais même pas un câlin. Ok. Ben, c'est bon. Ah, c'est bon, tu me fais même mot de passe. Voilà, donc... ça, voilà. On est là, voilà. Ok. Ouais, tu deviens si sérieux comme ça? Quoi? Tu deviens si sérieux? C'est ton tour. On doit tout vérifier. Bébé. Voilà. Je veux que tu écris à 9 personnes, bébé. 9 personnes. Oui. Comment ça? Mais ce sont mes amis. Tes amis. Oui. Ok. Je peux entrer. Donc, tes amis sont des bébés. Bon, en fait, des fois, on se parle entre filles, des fois. Entre, okay. Entre filles. Entre capotes. Oui. D'accord. Christian, local 1. Tu as écrit Christian, local 1. C'est un ami. Un ami. Oui. Ok. Je peux. Je le connais pas. Je peux entrer? Vas-y, oui. Ok. Tu regardes juste le dossier, hein. Il descend pas trop sinon la conversation. Fais ce que tu veux. Ok. Pourquoi? Attends, quand on contrôlait mon téléphone, je disais rien. Salut, ça va? Ok. T'as confiance en moi, non, mais... J'ai confiance à toi, mais tu laisses tranquille. D'accord, qui l'entraîne? Tu fais ce qu'il veut. Qui l'entraîne? Hein? J'ai envie encore de le faire aujourd'hui. On le fera demain. Non, aujourd'hui. C'est lui qui t'a dit que non, il a envie encore de le faire aujourd'hui. Tu as dit demain, il a dit non aujourd'hui. Je ne sais pas, c'était quoi? On a quelques devoirs à faire. Je ne sais pas. Ok. S'il vous plaît. Attends, bonjour. Ok. C'est ça? Moi, je n'ai pas touché à ton téléphone. Vous voyez quand même, il triche. Hein? Moi, je n'ai pas touché à son téléphone. Non, c'est bon. On vérifie, t'inquiète pas. Voilà. Je t'aime. Voilà, mais ici je vois de paroles d'amour, je t'aime aussi, de cœur et tout, voilà. Je vis de cœur, je ne sais pas si c'est quoi. Bon, on envoie juste des cœurs. C'est juste des cœurs. C'est qui? C'est un ami. Je ne vais pas m'y fâcher. Ne m'épouse pas m'y fâcher. C'est un ami. Un ami, peut t'écrire comme ça. C'est ça. Vous encouragez, hein? Non, c'est pas ça. En fait, non, j'ai juste vu ça. Et du coup, tu vas dire que c'est un ami, mais on a vu de paroles d'amour, de conversations d'amour ici. C'est juste un ami. C'est juste un ami. Un ami. C'est ce que tu me dis. Un ami. Tu es sérieuse. Un ami. Bon. Ah, tu connais tous mes amis. Est-ce qu'on s'écrit comme ça avec des amis? C'est depuis quand? Mais je sais pas. Ah, tu ne sais pas. C'est ton portable là. Bon, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein. On peut en continuer, s'il te plaît. Voilà. Voilà, salut, ça va. Ici, j'ai vu, voilà. Il a envoyé des photos sexy. À moitié nu, en fait. C'est ça. Vous regardez ça aussi, vous? Là, si vous... Je ne savais pas. Hein. C'est bon. Tu peux m'expliquer? Mmh, ah, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non. Non, je parle à ma copine. Je sais. Non, là, je parle à ma copine. Oui. Tu peux, s'il vous plaît. Elle va te répondre. Tu peux m'expliquer, c'est quoi? B. Qu'est-ce que je vois? Il m'a parlé... Tu me dis qu'est-ce que je vois? Il m'a parlé de l'agence du mannequin. De l'agence? Oui, il devait maintenant voir mes photos pour... Tes photos? Pour savoir comment... L'agence de mannequin? Oui, pour savoir comment je suis, la taille. C'est depuis quand? Attends, dis-moi, c'est depuis quand tout ça? Mais c'est depuis quand? Mais je n'étais pas en parler parce que tu allais refuser. J'allais refuser. Donc, t'as envoyé tes photos à moitié ni à une personne que moi je connais pas et mais puis... tu as bien dit à moitié, c'est pas toute ni là. Que dis-tu, joues avec moi? Tu blagues avec moi, mais c'est ça? Juste à moitié. C'est depuis quand tout ça? Maintenant, est-ce que tu n'étais pas au courant de ça? Mais si vous êtes méchant, hein? Vous continuez au fait. Non, même pas. Moi, je suis innocent. Je ne sais pas. Moses, moi, je suis innocent. Hein?
Moi, je suis depuis là, quand tout ça? C'est depuis quand? Non, tu m'expliques d'abord, c'est depuis quand tout mais ça? Mais juste un moment. Juste un moment. Bon, je ne sais pas. Bon. On arrête ou bien on continue? On arrête. Moses. Tu continues. Le mot de passe. Bon, là, c'est... Voilà. Bon, là, je vois que je dois sortir parce que là, ça... Mon frère, ne fais pas ça, s'il te plaît. Voilà. Genovi, c'est qui? Genovi Ngoyi. C'est mon assistant. Ton assistant. Tu connais Genovi Ngoyi? C'est notre assistant. Ok. Il y a l'université? Ouais. Ok. Je peux entrer? Non. Tu entres. Ok. Salut, ça va mon amour? Ouais, très bien. Attends, attends. Mon amour. Oui. Salut mon amour, comment tu vas? Oui, très bien. Oui, je vais bien. Bah. Tu dis, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que toi tu me fais? Attends, papa Genovi quand même. Tu me trompes avec... S'il te plaît. Déjà, je ne te connais pas. Non, je ne te connais pas, tu ne me connais pas non plus. Oui. Voilà, on ne lui connaît pas. Oui. On ne lui connaît pas d'ailleurs. Dis-moi, s'il te plaît, s'il vous plaît. Déjà, notre but, ce n'est pas ça. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, c'est à toi de nous expliquer. Qu'est-ce que tu manques avec moi? Qu'est-ce que toi, tu manques? Qu'est-ce que moi, je ne t'ai jamais donné? Je fais ça pour le code. Tu savais bien que je suis malade. Je vais me fâcher. Tu savais bien que j'étais malade. Pour l'école? Oui, j'ai fait ça pour l'école. Pour l'école, comment? Dis-lui de me comprendre. Tu savais bien que j'étais malade. Je t'ai demandé de l'argent. Tu m'as dit qu'on t'a pas encore payé. Le professeur m'a proposé. Je ne pouvais pas refuser. Je fais ça. Et c'est ça que tu as? Tu veux me dire que tu m'as trompé juste pour des cotes? C'est ça, pour des cotes. Et t'es sérieuse là? Mais c'est pour les études, non? Je regrette. Et maintenant, je ne sais pas. Tu dois savoir. Maintenant, on arrête. Bon, j'arrête ou comment? Parce que là, j'ai... Attends, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu me regardes en face? Non, tu me regardes en face. Non, c'est le cas. S'il te plaît. Non, c'est le cas. Jusqu'à présent, je ne me suis pas fâché. Jusqu'à présent, je ne me suis pas fâché. Ne te fâche pas, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment tu peux... Non, comment tu peux faire des bêtises? Tu es si à l'aise. Ça te dit rien. Mais personne n'est laissé, d'ailleurs. Personne ne l'essaye. Personne. Et puis, donc, c'est normal pour toi, personne ne l'essaye. Tu as fait quelque chose de pas bien, personne ne l'essaye. C'est désolée, normal. Je suis désolée. Et maintenant, c'était quoi? Ah, c'est ce que toi, tu appelles l'amour, c'est ça l'amour? Oui. Mais je fais ça. Je fais ça parce que tu n'avais pas d'argent. Au lieu de dépenser, on a économisé. Il m'a aidé, voilà. Parce que j'avais pas l'argent. Et donc, aussi, donc, tu m'as trompé parce que moi, j'avais pas l'argent. C'est ce que toi, tu me dis. Tu m'as trompé parce que moi, j'avais pas l'argent. Là. Donc on va faire ici. On va faire ici. C'est simple. C'est simple. Comme tu m'as trompé parce que moi j'avais plus l'argent. J'avais pas l'argent. Oublie-moi. C'est plus mien. Non, mon frère, s'il te plaît. C'est plus. Bon, maintenant, vas-y, explique. Vas-y, explique aussi si c'était quoi. Hein? En fait, le professeur m'a parlé sur mes notes. Mais ça va pas. Vous voyez, coupez d'abord votre caméra. Attends, coupez votre caméra. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moses. Regarde comment il part. Mon frère. Mon frère. Attends. Bon, en fait. S'il te plaît, ne me parlez pas, s'il vous plaît, ne me parlez pas. Mais en fait, si elle n'était pas sur notre but, tu vois. Maintenant, Moses, je ne sais pas là si je veux faire quoi. Je veux faire quoi en ce moment? Bah, on essaie de lui suivre ou bien on fait quoi? Bon, tu prends ton sac. Prends ton téléphone. Bon. Prochainement, hein? Prochainement, quand vous me voyez, faut pas m'appeler. Non, c'est pas ça, ma soeur. Ah! Nice. Moses. Moses, tu vois, hein? Tu vois, Moses, je t'avais dit que moi, ce genre de choses, je ne supporte pas. Maintenant, c'est au moins, je ne sais pas si je vais faire quoi. Ah! Bon. Moses, on fait comment? On continue ou bien? Ben, je n'ai pas le choix, donc voilà, sinon c'est la fin de toute chose. Ben. Voilà, ils sont partis là et... Bon,
Manda, je peux couper alors. Maximum de partage. Partagez cette vidéo sur votre Ulrich en tout cas. Maximum de partage. Bye. Oui, pour retirer le passeport, non, visa, non, déjà c'est bon. André, voilà un coquin là. C'est quoi le nom? Y'a Fifi. Mon frère, Bissot Toza MTC. Bissot Toza pour concrétiser ma rêve na Dino. Banda passeport on continue à MTC, ça nous permet de temps. Deux mois, papa. Spécialité na Bissot. Bissot Rao. Et ça la banne locale. Quand on a bien ou abîmé la yo. Yaga. Donc on soit malédiction, donc on l'a là, on soit bizarre. Au moins, il y a un peu de temps. Au moins, il y a un peu. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Et chantier. Et bien, les gens qui ont été en train de se faire. Et ça, papa, on a fait. Les clients ont été en train de se faire. Et si je suis en train de se faire. Et vous avez été en train de se faire. Et vous avez été en train de se faire. Pour ça, la vie se fait. Ouais, continuez, ma pomme ou sous ce soir. Non, mais je ne sais pas. À la balle à 5. Est-ce que vous conservez mes visas? Non, 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 non. Oui. Spécialité la vie. Oh! Ouais, ça, au côté. Ok, on passe dans le bureau, on a mis sur MDC. Oya pour retirer le passeport, non, visa, non, déjà c'est bon. André, voilà un coquin là. C'est quoi le nom? Y'a Fifi. Visa Nayo, c'est un moine. Oh, mais c'est dit. Émotion. Mon frère, Bissot Toza MDC. Bissot Toza pour concrétiser ma rêve na Dino. Banda passeport on continue à MDC, ça nous permet de temps. Deux mois, papa. Voilà Bissot. Spécialité na Bissot. Bissot Rao. Et ça la banne locale. Quand on a bien ou abîmé la yo. Yaga. Donc on soit malédiction, donc on l'a là, on soit bizarre. Au moins, il y a un souhait d'un ami. Au moins, on va te. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Et chantier. Et bien, les gens qui ont été en train de se faire. Comment ils m'ont fait? Ils ne sont pas en train de se faire. Les clients qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Ouais, continuez, ma pomme ou sous ce soir. Non, mais je ne sais pas si tu es en train de se faire. À la base, à 5. Est-ce que vous conservez mes visas? Non, 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 non. Oui. Spécialité la mission. Oh! Banuta pas bana basi dans ma vergeture ma tempo moi même soit alors pémé ma casse ma boko boule ils ont révisé ma noir ma mouine dans ma genou rien ma mère beaucoup moins moi difficulté là t'as moi kilote parce que ma mère casse casse yo et ça la banuta ils aient au bout de ma Tous en allocola, mais la casse à vous, vous gammez la numéro 250. Vous avez dit ça, vous avez tout pris à vous. Oui, allô? Oui. Ouais, porte à grise. Bonjour. 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 Pour des tuer. La qualité.
vérité.